toutes et à tous et remerciements renouvelés à Sophie pour tous les participants et surtout pour les intervenants. Donc le pôle patrimoine à débattre, hein, partager, promouvoir, inspirer. Hein. On a été créé en septembre 2018 dans le cadre de la conférence de la culture CRCC, réunie à l'initiative du Conseil régional des Pays-de-Loire. Hein. Cinquième pôle culturel après ceux des musiques actuelles et des livres et de la lecture, des arts visuels et du cinéma audiovisuel. Les adhérents sont des personnes morales, aux statuts divers, collectivités, entreprises, musées, organismes de formation, associations. Nous sommes association loi de 1901, soutenue principalement par l'État, la DRAC et les régions Pays de la Loire. Notre mission, c'est connaître et fédérer les acteurs du patrimoine sur le territoire régional, partager les ressources, nous sommes en plein dans le sujet, favoriser les échanges, le développement de compétences et les coopérations au sein du pôle patrimoine. Et là, nous sommes aussi dans le vif du sujet, dont je vais passer la parole pour cette connexion à Philippe qui, lui, va nous introduire. Ces connexions qui, si mes calculs sont bons sur les archives, nous en sommes à la troisième. Bonjour à tous et toutes, bonjour à ceux que je saluais tout à l'heure. Effectivement, nous avons lancé ces connexions en 2021. À défaut de pouvoir nous réunir sur des ateliers thématiques physiquement, eh bien, nous avions instauré ces propositions visio et nous continuerons sous ce format. Il n'est pas exclu que nous organisions des ateliers en présentiel, comme on dit. C'est toujours sympathique, évidemment, de se voir et sans doute plus efficient aussi, mais d'un autre côté, se voir en visio, ça permet aussi de gagner du temps et du déplacement. Nous avons initié un cycle sur les inventaires en général. Hein. L'objectif aujourd'hui et dans le cadre de ces connexions, c'est de partager des retours d'expérience. Évidemment, de mesurer aussi l'importance de l'identification du signalement et évidemment du traitement des fonds. Qui peuvent être concernés par des opérations de collecte, d'enquête et d'inventaire. Permettre à chacun d'identifier aussi des pistes opérationnelles, soit avec des ressources internes à mettre en place, soit avec des opérateurs externes. Et puis, continuer à développer une connaissance collective, une intelligence collective, un questionnement collectif sur ces questions. C'est le rôle du pôle que de mettre en relation les acteurs du patrimoine pour, encore une fois, être un peu plus armés, à la fois dans le questionnement que nous avons, mais aussi dans les méthodes et dans les mutualisations. C'est encore un autre objectif important du pôle qui a présidé à la création de l'association. Je vois que Sophie avait mis un lien vers le site internet hein, qui effectivement répertorie les différentes dates des connexions et les liens vers les visios et les ressources. Alors, merci aux intervenantes et aux intervenants du jour de pouvoir nous livrer leurs témoignages, leurs questions et leurs méthodes sur la question de la collecte. On va voir que c'est évidemment on va avoir la confirmation que c'est un très vaste sujet. La collecte peut être de plusieurs types, collecte de témoignages oraux, sonores ou vidéo, la collecte de fonds iconographiques, sonores, audiovisuels, etc. Évidemment, le traitement va être spécifique à chaque type de fonds. Évidemment, les acteurs vont être divers également aussi. Et bien entendu, on va constater ensemble que ça va mettre en œuvre des processus assez lourd, qui demande de la méthodologie, de la rigueur, mais qui relève de la patrimonialisation. C'est vraiment une dimension du patrimoine qu'il faut intégrer, que celle à la fois du patrimoine oral en lui-même qui est issu des enquêtes, mais aussi des matériaux qui sont confiés à la faveur de ces enquêtes. Et on va voir également avec le département de la Sarthe que des collectes permettent aussi de compléter la documentation de collection. Donc, d'abord, on va commencer par la méthodologie de la collecte. Qu'est-ce qu'une collecte? Comment on fait concrètement à l'OPCI? J'ai repris votre titre, quelques bonnes pratiques méthodologiques hein, pour commencer.
Bon, on a une illustration typique là d'une collecte qu'on mène à Nantes sur le carnaval de Nantes, donc l'inventaire pour la fiche, pour l'inclusion à la fiche d'inventaire national, donc du carnaval de Nantes et des savoir-faire et des pratiques carnavalesques à Nantes. Voilà, donc à l'OPCI, on a une méthodologie donc propre à l'OPCI, une méthodologie un peu pilote qui se répartit en quatre phases, on va dire. Donc d'abord, évidemment, on nomme l'enquête et on fait ce qu'on appelle une phase préparatoire. Durant cette phase, on identifie les différents corpus d'acteurs. Si c'est dans le cas d'un musée, donc la documentation sur le musée, c'est lieu du PCI. Et dans ces corpus d'acteurs, donc on veille surtout à partir d'une enquête bottom-up. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on identifie vraiment les entrepreneurs, moi, je les appelle comme ça dans ma thèse, les entrepreneurs locaux du patrimoine, donc ces informateurs privilégiés sur les lieux. Et ça peut être les associations locales, les anciens, les EHPAD, les jeunes. Et dans le cas du musée, évidemment, ça va être les créateurs et les collectionneurs du musée, les agents du musée, les familles de collectionneurs. Donc, on va identifier ce corpus d'acteurs. On va préparer une réunion de courtoisie où on présente l'enquête à ces informateurs privilégiés et puis peut-être même une réunion avec les habitants pour présenter l'enquête et si on a mis en place un site participatif, donc leur présenter le site où ils pourront aussi participer à la collecte, voilà, donner des objets, des archives, des photos et puis participer à des entretiens filmés individuels ou en groupe. On a mis en place des plateformes de gestion partagée, alors notamment là avec, on va en reparler plus tard, mais avec le département, les archives départementales de la Sarthe, donc des plateformes avec une interopérabilité avec notre base RADO. Donc c'est important aussi dans cette gestion des collectes et des témoignages et des archives qui nous arrivent, des prêts ou des dons d'objets, voilà, d'avoir une plateforme partagée. Dans une deuxième phase qui s'appelle la phase archivistique, donc on va réaliser, alors par exemple pour les musées, c'est important, réaliser une cartographie du parcours des objets, authentifier aussi ces objets, raconter leur histoire. C'est ce qu'on peut dire aussi, écrire l'histoire du lieu, mais ça peut être aussi l'histoire d'une fête, si on travaille par exemple sur le carnaval de Nantes, écrire la biographie de la fête, la biographie ou l'histoire du musée, et la biographie des collectionneurs de ces objets, ou des gens en tout cas qui ont créé cette fête, participé à cette fête. En l'occurrence, au carnaval de Nantes, les bénévoles, les carnavaliers, les défilants, tous ceux qui font le carnaval. Il s'agit ensuite de recueillir et de collecter les témoignages de ces informateurs privilégiés. Donc, on réalise des entretiens filmés. À Nantes, par exemple, on a réalisé une quarantaine d'entretiens filmés. Mais on a aussi, lors de ces entretiens, fait avancer la collecte, puisque à l'issue des entretiens, il y a beaucoup de témoins qui nous parlent d'objets qu'ils ont. Ça leur fait penser qu'ils ont des photos, qu'ils ont des archives à nous remettre, à nous transmettre. Donc, toutes ces deux phases enrichissent la phase aussi analytique en même temps. Donc, justement, après, on passe à cette phase d'enquête et d'entretien. Ce qui est important aussi, c'est d'interroger le regard et la mémoire des habitants sur leur patrimoine, sur ce PCI. Les patrimoines, ce qu'ils désignent et sur la pratique relevant du PCI, qu'est-ce qui fait sens pour eux, leur rapport à ce patrimoine, leur rapport au musée, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont parfois des musées très importants sur leur territoire, est-ce qu'ils y vont, quelle représentation ils en ont. Là, on est de l'ordre un peu du symbolique et de l'imaginaire, mais c'est important aussi d'avoir cette représentation des locaux sur ces patrimoines. Côté prospectif, donc le rôle de ces inventaires pour l'ancrage et l'identité du lieu, du territoire étudié, ce rôle aussi sur le développement social, culturel et touristique. Donc, c'est important d'identifier ce rôle de ces inventaires. On essaie d'identifier aussi les éléments de la mémoire collective et relevant du PCI de ces lieux étudiés. Et enfin,
une identification de la perception de ces patrimoines relevant du PCI par les nouveaux habitants, donc les primo-arrivants, on va dire, de ces lieux. Est-ce que ces lieux, est-ce que ces fêtes, est-ce que ces pratiques, ces savoir-faire relevant du PCI participent à l'attractivité du territoire, à la sociabilisation, à une certaine identité et au flux migratoire? Bon, ça rejoint aussi les questions du tourisme, hein. Est-ce que ce PCI est assez valorisé, mis en valeur? Est-ce que voilà, participe à l'attractivité touristique du territoire? Et enfin, une phase analytique et qu'on appelle aussi phase de production, donc tous ces inventaires de recherche et de sauvegarde servent à la valorisation et bien sûr à la pérennisation de ces pratiques, de ces fêtes et de ces musées pour leur fréquentation notamment et pour leur reconnaissance aussi. La reconnaissance aussi des savoir-faire et des pratiques et de ceux qui ont ces savoir-faire, c'est important. Donc, il y a à la fois, je vous l'ai dit, un site qui peut être collaboratif, plus sur Facebook, on partage aussi souvent les démarches à travers les Facebook, les sites des associations, par exemple le site du musée en Sarthe, partager les activités et l'enquête, parfois au jour le jour. Il y a dialogue avec les archives départementales, ça c'est important aussi, on va le voir, Philippe va peut-être en reparler de l'interopérabilité avec les plateformes. On travaille notamment en Sarthe, sur le dialogue avec les écoles, les visites des écoles, est-ce qu'ils sont au courant aussi, est-ce qu'ils visitent régulièrement ces lieux, est-ce qu'il y a une participation, une transmission de ces PCI. Et puis, on essaye d'avoir un dialogue aussi avec les chercheurs qui peuvent aussi apporter leur regard sur ces pratiques. Puis, je l'ai remis sur les informateurs locaux, les historiens locaux, les amateurs, les visiteurs réguliers de ces musées, enfin, de ces lieux, en tout cas. Ça aide donc, enfin, le but de cette valorisation et pour la pérennité de ces musées, c'est aussi de revoir les scénographies qui sont peut-être pas adaptées, de revoir les espaces grâce à l'inventaire, et puis de mettre en avant peut-être une nouvelle histoire autour des objets, de revoir l'histoire des objets. Là, on reprend grâce à ce schéma les principales phases, donc la phase exploratoire, la phase archivistique et la phase d'enquête qui nourrissent la phase analytique, avec cette base d'archives RADO qui est vraiment notre base majeure où on indexe et on numérise les films, les entretiens, les photos des enquêtes. Et puis tout ça donne souvent une formulation d'hypothèse qui nous sert à une phase de production et de restitution pour établir donc soit une fiche d'inventaire et un inventaire, soit des savoirs mobilisables. Et puis, souvent en tout cas, on travaille avec des outils de transmission qui peuvent être des expositions, des publications, des conférences, des ateliers, de la médiation culturelle. Et pour une phase de valorisation importante. Voilà, ça reprend encore notre processus, un peu un process de mise en œuvre d'un plan de collecte, d'une ethnographie et d'un inventaire du PCI. Donc évidemment, on part d'un patrimoine, on écrit un programme, puis on va traiter et analyser grâce à notre base RADO qui nous sert aussi après pour l'analyse. En fait, tout vient nourrir l'enquête au fur et à mesure et se rejoint et s'enrichit. Donc à la fois explorer pour mener l'enquête, puis l'enquête elle-même enrichit RADO et RADO va enrichir les expositions et la restitution. Je peux montrer peut-être à quoi ressemble la base RADO. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc du coup, on peut montrer qu'il y a une recherche par catégorie, recherche cartographique, par iconographie. On peut rechercher par support et puis ensuite on a une recherche par mots-clés évidemment et par lieu et par thème. Voilà. Donc les fonctions de l'archivistique et la gestion des sources. Peut-être te passer la parole, Philippe, juste pour présenter ce. Oui, si tu veux, bon.
C'est un schéma qui nous sert à identifier et à faire identifier par les membres qui utilisent cette base de données mutualisée. Hein, ce sont des associations, des collectivités ou des organisations. Leur faire identifier les grandes fonctions, hein, de la gestion des sources. Hein. On a une fonction production d'archives qui proviennent directement de photos, de reportages qu'on fait au présent, ou alors de numérisation à la faveur des dépôts ou des collectes. Évidemment, il y a une fonction fondamentale qui est la conservation. La patrimonialisation, c'est conserver, donc c'est une fonction évidemment à intégrer pleinement. La numérisation, une fonction en soi, la documentation, on demande à être plus précis possible sur la documentation de quelque source que ce soit. Et à travers notre base de données, on a différents descripteurs qui permettent de documenter précisément, notamment un thésaurus de mots-clés assez précis qui permet, lorsque l'on clique sur un mot-clé, puisqu'ils sont tous l'objet d'un hyperlien, d'accéder à l'ensemble du corpus qui répond aux mots-clés, construction navale par exemple, sur l'ensemble de la base, qui est encore une fois une base mutualisée. L'indexation dans la base de données, la fonction de consultation qui peut accéder à ces fiches. Chez nous, sur la base Rado, l'ensemble de grand public, on va dire, chercheurs, amateurs, propriétaires des fonds peuvent accéder à 400 000 notices. Ce qui peut être restreint, c'est la consultation de l'illustration qui va être attachée, la photo appauvrie ou l'extrait vidéo ou l'extrait sonore. Et puis, une fonction importante également, c'est celle de la mise à disposition des fichiers haute définition par des éditeurs, par des auteurs, par des chercheurs, par une collectivité, une association qui veut faire une exposition, une publication qui a besoin de fichiers haute définition. Voilà, qui gère cette mise à disposition et évidemment, et c'est la dernière fonction qui est présente sur le schéma, qui gère les droits associés à la fois la consultation et la mise à disposition. Peut-être rapidement sur pour le processus, hein, on produit un fichier numérique, un fichier en haute définition va être conservé sur des disques durs, un fichier en moins haute définition, la valorisation va faire appel à des fichiers de définition, mais on va conserver des fichiers de service et puis on va créer un aperçu appauvri pour servir d'illustration à la notice dans la base de données. Marjorie, tu veux peut-être conclure ton intervention ? Je vais passer la parole juste à Tiphaine pour qu'elle présente le projet SART Musée, puis je reviens sur ce qu'on y fait sur l'enquête en elle-même. Alors, bonjour à tous. Donc, Tiphaine Berger, je travaille au département de la Sarthe en tant que chargée de valorisation du patrimoine dans le service patrimoine et tourisme. Donc, le réseau Sarthe Musée, il a été lancé en 2021. 2021, c'est vraiment le lancement du réseau. Ça avait commencé déjà 2019-2020, où le département lance l'initiative d'aller visiter tous les musées présents en Sarthe, en tout cas essayer de tous les voir, et pour faire une sorte de petit constat d'état. Et l'objectif était de faire un constat d'état, et à la suite de cela, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de musées, notamment des musées ruraux, qui peinaient en fait à avoir des visiteurs, ou alors à mettre en valeur tout simplement leur musée, à faire valoir leur intérêt sur leur territoire. Et donc, ils ont lancé ce réseau qui a pour objectif de fédérer les musées. Donc, ça c'est principalement accès aux musées ruraux, puisque c'est souvent eux qui ont plus de mal à se faire voir, entre guillemets. Les musées du Mans, si je prends par exemple les musées du Mans, eux, typiquement, ils ont ne vont pas avoir les mêmes problématiques que les musées qu'on trouve dans les campagnes et qui sont un peu éloignés des mouvements touristiques qu'il y a dans le département. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, ils ont créé ce réseau en 2021.
avec pour objectif de favoriser, de fédérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de fédérer les musées entre eux pour qu'il y ait de l'entraide en fait, des musées qui vont être par exemple plus avancés entre guillemets sur l'accueil des scolaires, mais moins avancés au niveau de la communication pour faire connaître leur musée, et bien échanger avec les autres musées, se donner des petites de l'aide hein, tout simplement. Donc ça c'était le premier objectif. Le second, par rapport au département, ça va être d'accompagner ces musées dans leurs différentes démarches, quelles qu'elles soient, que ce soit le recrutement aussi bien de saisonniers ou alors de stagiaires, de services civiques. Le recrutement aussi, créer un poste aussi, parce qu'il y a beaucoup de musées qui n'ont pas d'emploi permanent, en fait, ce sont que des bénévoles. Donc là, le but aussi, ça va être de les mener vers une professionnalisation de leur lieu. Et donc, il faut des emplois pérennes pour ça, et c'est assez compliqué, puisque souvent, ces musées se trouvent, comme je l'ai dit, dans un milieu rural, dans des petites communes qui ont du mal à recruter et qui ont du mal à supporter le poids d'un emploi supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, le département accompagne les communes, alors d'un point de vue purement méthodologique, mais aussi financier. Alors, il ne finance pas la totalité d'un emploi, mais il peut venir en appui dessus, sur un pourcentage. Il vient aussi accompagner du coup les musées au niveau du renouvellement de la scénographie. Dès qu'un musée a besoin, je sais pas, un musée veut créer une salle plus immersive avec de la technologie, une nouvelle technologie, ben si le projet est intéressant et s'il est bien construit, alors déjà le département peut aider à bien construire ce projet justement, mais aussi il peut venir en appui financier derrière. Il y a plein de possibilités pour le département d'intervenir. Aussi bien, donc vraiment, c'est pas que d'un point de vue financier, c'est ça l'intérêt du réseau Sarthe Musée. Le département n'est pas là seulement que pour financer, il est aussi là une bonne partie du temps pour les accompagner dans une méthodologie et une mise en place de leur projet. Et un des derniers objectifs principaux, ça va être de donner de la visibilité aux structures sartoises, aux musées qui se trouvent sur le territoire. Malheureusement, c'est souvent ça qui pêche un peu dans les musées ruraux. Comme je l'ai dit, il y en a qui sont complètement en dehors des sentiers touristiques. Et ils peinent vraiment à avoir une visibilité, ils peinent à montrer leur intérêt, ils peinent à montrer leur collection, qui souvent sont très riches. Les visiteurs n'arrivent pas jusqu'à eux, mais bien souvent parce qu'ils ne les connaissent pas du tout, ou très très peu. Donc le but, voilà, c'est de leur donner de la visibilité. On travaille actuellement sur, alors pas pour l'année 2022, mais ce sera plutôt pour 2023, on espère en tout cas, à la mise en place d'une brochure qui pourra mettre en avant les programmations et les projets des différents musées. Pour l'instant, ça se passe plus sur les réseaux sociaux. Le département se fait le relais des événements qui se passent dans les musées sur le territoire. Voilà pour la présentation vraiment très très succincte de Sarthe Musée. Alors actuellement, je ne vous l'ai pas dit, il y a une dizaine de musées qui font partie du réseau Sarthe Musée. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive. En fait, les musées ont été choisis par rapport à leurs certains, deux d'entre eux, on va le voir juste après, pour l'urgence d'action qu'il y a par rapport à leur collection, et puis d'autres par rapport à l'intérêt qu'il va y avoir sur le territoire. C'est pas du tout une liste exhaustive. Des musées qui sont dans la liste pourront sortir. Alors déjà, il n'y a aucune obligation. Si un musée ne veut pas en faire partie, il n'en fait pas partie. Et si un musée veut sortir du réseau, il peut tout à fait le faire. Et puis d'autres pourront rentrer par la suite. Voilà. Là, pour aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur deux musées qui font partie du réseau Sarthe Musée.
le musée du vélo qui se trouve à Villeneuve-en-Persegne, qui porte sur l'histoire du cyclisme sportif et du Tour de France. Et c'est un musée qui avait été créé par Monsieur Bonduel, qui est un passionné de vélo et qui a acquis plein d'objets de collection en rapport avec le cyclisme et le Tour de France, et qui a fini par en faire un musée. Le second musée, c'est celui Musée Roger Bellon, ou aussi Musée Seconde Guerre mondiale, qui se situe à Conly, donc qui porte sur la Seconde Guerre mondiale et qui a été créé par Monsieur Bellon, qui est un ancien combattant qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui, à la fin du conflit, a récupéré, alors par suite de dons, d'achats, enfin de ses collections personnelles aussi, il a récupéré beaucoup, beaucoup d'objets. On le voit sur l'image, on a vraiment plein de choses. On a des véhicules, des armes, des costumes, enfin costumes, des habits de soldats. Vraiment plein d'objets, il y a des rations de soldats, il y a vraiment plein de choses, et donc il en a fait un musée. Aujourd'hui la collection elle appartient, il a fait un legs à la commune, hein. C'est toujours lui avec donc avec l'aide de monsieur Ragnou qui est présent aujourd'hui et que je salue. Ils ont donc ouvert un musée qui se trouve dans un bâtiment qui appartient à la commune, mais toute la collection a été léguée à la commune. Pour l'instant, c'est toujours Monsieur Bellon qui en a les droits dessus, on va dire, mais la commune est partie prenante dans ce projet. Voilà. Si on a fait appel à l'OPCI, si le département a fait appel à l'OPCI, c'est parce que ces deux musées font face à une problématique qui est très importante, c'est que les créateurs de leur collection ont un âge assez avancé. Et malheureusement, le constat qui a été fait, c'est que le jour où ces deux personnes ressources disparaîtront, malheureusement, la connaissance sur le musée et sur les collections risque de disparaître avec elles. Et forcément, ça pose un problème derrière sur la justification. Pourquoi garder un musée ouvert qui peine parfois à se faire voir, à être visible, qui peine à faire venir des visiteurs. Alors, c'est pas du tout je dis pas que c'est des musées qui ne reçoivent aucun visiteur, hein, ils en ont, mais c'est vrai que la part de visiteurs par rapport à la richesse qu'il y a dans ces musées, il y a quand même un sacré décalage, et malheureusement, ces collections risquent de perdre encore plus d'intérêt aux yeux du public le jour où leur créateur viendrait à disparaître. Et ça pose un sacré problème. Donc c'est pour ça qu'on a demandé l'aide de l'OPCI. Et donc Marjorie va continuer sur ce qu'elle expliquait. Donc du coup, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Tiffaine sur les deux musées, la présentation de ces deux musées. Bah, évidemment, on est en phase préparatoire, hein, on est allé sur place, on a rencontré les créateurs, les collectionneurs, et comme le dit Tiffaine, il y a une certaine urgence vu l'âge des deux collectionneurs, et puis surtout l'importance, la richesse des collections et la mémoire qu'il faudrait collecter et qu'il faut sauvegarder. Donc pour le musée du vélo, donc c'est Monsieur Bonduel, notre informateur, on va dire privilégié, qui est le créateur du musée. On est en contact et on a fait déjà, comme on le disait tout à l'heure, des réunions de courtoisie, donc avec le maire Monsieur Trotté et puis l'agent du musée Madame Dubourg. Ça a été important pour nous de leur expliquer le projet. On va aller faire une deuxième rencontre de courtoisie pour nommer ensemble aussi ce projet, faire peut-être programmer une rencontre avec les habitants, avec les locaux, et puis voir un petit peu avec elles les informateurs qui pourraient être, établir un tableur de témoins qui pourrait nous donner des informations, notamment des bénévoles qui participaient, parce que M. Bonduel n'a pas réuni tous ces objets seul, mais il y avait évidemment des bénévoles de l'association qui l'ont aidé.
Donc voilà, pour retracer un petit peu la biographie du musée, la phase préparatoire, c'est un peu, voilà, un peu décortiquer tout ça. Pour le musée Roger Bellon, bah, c'est encore plus, il y a encore plus d'urgence. C'est un monsieur, voilà, encore plus âgé. Et puis, comme le disait Tiffen, c'est un musée de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une problématique aussi sur la provenance des objets, identifier ces objets. Voilà, on va y revenir. Mais... Donc, on a déjà rencontré dans la commune voilà, les principaux informateurs, et puis on va y retourner certainement en juin. Donc, cinq axes d'action ont été identifiés. Donc, un axe autour des collections, la documentation, la dimension technique, histoire et mémoire, les usages aussi, la collecte de témoignages, d'archives, de ressources, et aussi autour de la politique d'acquisition des objets de la collection. Ce travail de documentation, enfin, retracer l'histoire des objets, c'est important parce que là, on a des inventaires d'objets, mais où il n'y a pas l'ADN, l'histoire de l'objet. Et c'est important aussi pour le visiteur d'avoir cette dimension-là, un peu symbolique autour des objets. Un autre axe autour de la place du musée du local au national. Bon, déjà auprès des milieux historiques, comment est vu ce musée, est-ce qu'il est reconnu au niveau touristique, puis au niveau économique. On l'avait dit, il y a quand même une fréquentation, mais elle est un petit peu en décalage avec la richesse des collections et puis avec l'intérêt qui est porté à ces deux sujets du musée quand même. Le vélo, le Tour de France, c'est quelque chose qui fédère et qui est apprécié voilà, des gens. La Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, une erreur, c'est la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui est aussi voilà, une période très, très, très appréciée. Enfin, très appréciée. Il y a des grands amateurs, donc du coup, la faible fréquentation porte questionnement. Et puis, la place du musée du vélo par rapport à d'autres musées nationaux qui ont des objets sur le vélo, notamment à Saint-Étienne, à Lyon. Voilà, ça peut faire partie aussi de comparatifs, voir comment les autres musées intègrent leurs objets, leur histoire, voilà. Et par rapport aux professionnels aussi du vélo et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un autre axe identifié autour de la pérennisation et de la valorisation, donc le lieu dans ses dimensions physiques et numériques. Un axe autour du portage par le territoire, on réfléchit à ça aussi. Et puis l'action, on l'a déjà dit, mais avec les archives départementales, porte à la fois sur la phase de collecte, donc un site de valorisation du projet, et puis l'interopérabilité avec la base de numérisation des archives de l'OPCI, donc la base RADO qu'on vous a montré juste avant, donc avec une plateforme de gestion partagée avec les AD de la Sarthe. Donc ça, c'est une action importante aussi qu'on est en train de mener en phase préparatoire, puisqu'il faut qu'elle soit prête avant de commencer la collecte d'objets notamment et de mémoire. Donc, on a plusieurs enjeux autour de cette collecte dans ces deux musées, permettre la valorisation et la sauvegarde de savoir-faire et surtout de mémoire collective autour de ce patrimoine matériel et immatériel. Il s'agit aussi d'un des enjeux de retracer et d'enrichir l'histoire des objets et l'histoire de ceux qui les ont réunis ou utilisés hein, à travers ces deux musées. On a aussi l'histoire de ceux qui ont utilisé ces objets avant, hein, ces vélos, ces dossards. Dans le musée de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, toute une mémoire collective autour de la guerre. Il s'agit aussi de retracer, on l'a dit, la biographie des collectionneurs et de faire une cartographie des objets du musée. Ça, c'est un gros enjeu et ça va être la priorité, vu l'urgence et vu l'âge des collectionneurs, de faire ce travail de biographie des collectionneurs. Sur ce travail aussi de biographie et de cartographie des objets, on va devoir faire appel à des historiens, notamment pour le musée Roger Bellon, un historien spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, puisque voilà, il faut authentifier ces objets et voilà, être sûr aussi de leur provenance et de la viabilité de ces objets. Une des finalités, donc, c'est la sauvegarde de la mémoire collective, mais aussi et surtout la reconnaissance locale et nationale de ces musées. Notre finalité, c'est l'enrichissement, on l'a dit, des scénographies
soit dans les musées, voilà, les musées ruraux, il manque peut-être aussi ce côté, comme l'a dit Tiffaine, immersif parfois, les nouvelles technologies numériques autour de la virtualité, voilà, peuvent expliquer aussi le peu de fréquentation parfois, malgré les collections incroyables qu'on y a vues. Donc, on peut aussi conseiller et à travers l'inventaire des objets, voir quels objets aussi peuvent être mis en avant, sortis, déplacés. Voilà. Il y a un constat, et on rappelle encore une fois sur les deux musées, d'un décalage entre la faible fréquentation et la richesse des collections et une urgence de sauvegarde de la mémoire des collectionneurs. Donc là, un petit retour sur la plateforme de gestion partagée entre OPCI, les archives départementales de la Sarthe et les deux musées. Donc, il s'agit de développer une plateforme de gestion partagée d'archives ethnographiques. Donc, les fonctions, c'est à la fois signaler une collecte et signaler une production, signaler les dépôts, et déposer les fiches de droit, signaler le dépôt avant traitement et plus faire la cotation. Et puis, il s'agit comme fonction de mener l'inventaire des supports physiques, de signaler aussi au fur et à mesure l'état du traitement, donc le déclenchement, la pré-indexation, le séquençage, où on en est de la numérisation, signaler l'état de l'indexation, pourcentage d'avancement, la cotation à la fois sur la base RADO et dans les AD de la Sarthe, puis signaler le retour chez le propriétaire, ou l'informateur, le témoin en tout cas, qui a prêté. Qui a fourni l'objet de la collecte, puis signaler le dépôt final physique aux archives départementales ou numérique aux archives départementales plus la cotation. Les enjeux de cette plateforme, c'est une fédération de fonctions et d'outils et puis une intuitivité de la recherche pour les consultants aux besoins et aux problèmes divers de la collecte. Et l'accès aussi important, qui accède, on l'a dit, l'accès à la fois aux acteurs et au public, aux institutions qui auront accès aussi après à cette plateforme. On vous a mis une petite biographie indicative, mais bon, c'est vraiment... montrer qu'on s'appuie quand même sur des ouvrages d'enquête ethnographique, notamment le guide de l'enquête de terrain de Béo Stéphane et Bébard Florence, qui est quand même une référence en ethnographie, en anthropologie. Et puis, on a au sein de l'OPCI des experts, on va dire, de l'enquête. Et donc, du coup, on s'appuie aussi sur leurs travaux et sur leurs manuels. Je citerai Jean-Pierre Bertrand, qui a écrit notamment le manuel du collecteur d'informations à caractère ethnographique, qui a été revu en 2004. Et puis, il y a deux ouvrages, moi aussi, qui me semblent très importants, celui de Florence Descamps, Les sources orales et l'histoire, donc qui explique un peu comment les récits de vie, les entretiens et les témoignages oraux enrichissent la mémoire collective et la parole des gens participe à l'écriture de l'histoire et que les communautés locales, les associations, les petits musées, ce qu'on appelle les petits musées, mais finalement, ce n'est pas des si petits musées que ça, vu les richesses et comment ils peuvent enrichir notre mémoire sur à la fois le patrimoine matériel et immatériel. Et puis, les outils en ligne, donc la base RADO dont on a parlé, puis les portfolios. Merci beaucoup Marjorie Ruggieri et puis Tiffaine Verger pour cette présentation bien complète et qui a aussi introduit la notion de collecte et sa méthodologie. Voilà. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'un autre type de collecte sur un autre type de patrimoine. Nous avons travaillé sur des cartes postales sonores. Alors, peut-être d'abord pour situer où nous travaillons, vous avez ici une carte du territoire du vignoble nantais administratif. Donc, nous dépendons du syndicat mixte du SCOT et du pays du vignoble nantais qui regroupe 29 communes au sud-est de Nantes. Donc, Nantes est juste ici pour ceux qui ne
qui ne serait pas du département. Et nous travaillons sur toutes ces communes, donc on va jusqu'à la limite de la Vendée et du Maine-et-Loire. C'est un territoire qui est marqué par le vignoble, mais pas seulement. On a aussi d'autres paysages, notamment des bords de Loire, des bords de rivières. Et au sein du syndicat, donc nous sommes un service patrimoine avec deux casquettes. Nous travaillons pour la gestion et la valorisation du musée du vignoble nantais. Donc là, on est vraiment sur les savoir-faire vitivinicoles. Et puis, on travaille dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire à la valorisation de tous les types de patrimoine qu'on peut avoir sur le territoire et notamment sur le patrimoine paysager. Pour cela, nous avons mis en place l'année dernière un observatoire photographique du paysage. C'est un outil qui a été construit à deux voies, d'une part avec le service patrimoine et d'autre part avec notre collègue du SCOTS, donc le schéma de cohérence territoriale. Là, on est sur des dimensions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, mais on a beaucoup de choses en commun. Donc, un observatoire photographique du paysage, pour faire simple, c'est une collection de photographies qui sont prises à un temps zéro, qui doivent refléter à la fois le territoire tel qu'il est aujourd'hui et les enjeux pour l'avenir. Donc, on a photographié des sites importants pour le territoire, des sites qui ne sont pas forcément la belle et jolie carte postale où on montre un territoire où tout va bien. Voilà, il y a des sites du quotidien aussi, tout simplement. On a choisi des sites dont on espère qu'ils ne bougeront pas, mais des sites aussi dont on sait qu'ils vont bouger. Et on a tout regroupé sur notre site internet, sur une carte Google, hein, tout simplement, où on a fixé tous les points pour chaque photo avec les différentes thématiques. Donc, on a de l'urbanisme avec la petite maison, on a l'agriculture avec le petit animal, on a le patrimoine, etc. Et sur chaque point, quand on clique, on peut avoir accès à la photo qui a été prise et un petit commentaire qui donne les premières caractérisations de ce paysage. Ça, c'est le premier niveau d'information sur l'observatoire. Pour ceux qui veulent rentrer plus dans le détail, on a mis en PDF téléchargeable toutes les fiches. Donc, c'est ce que vous avez sur la partie droite de vos écrans. Donc, la photographie. J'aurais pu reprendre le même exemple. Là, vous avez deux exemples différents, mais c'est le même principe. La photographie, le contexte, les dynamiques en cours et ce qu'on n'a pas sur la carte Google, des indicateurs précis, d'éléments à repérer dans le paysage et les évolutions possibles. Donc, la première campagne photo a eu lieu l'été dernier, en 2021. On refera une campagne tous les 3 ans et l'objectif, c'est simplement de comparer, de faire du avant-après et de voir ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé. Pour le SCOT, pour le schéma de cohérence territoriale, l'objectif, c'est clairement d'avoir un outil d'évaluation, pour voir si ce qui a été mis en place en termes de directives fonctionne ou pas, est-ce que les impacts sont ceux qui sont vraiment attendus ou non. Voilà, pour eux, c'est vraiment un outil d'évaluation. Pour nous, c'est un outil d'animation et de sensibilisation des habitants à leur patrimoine paysager et à leur cadre de vie. Pour l'instant, on est juste sur la phase de prise de photos. On espère aller vers quelque chose de plus participatif pour faire réagir les habitants aux images, aux évolutions des paysages qu'elles vont pouvoir documenter pour leur demander est-ce que c'est ça dont vous avez envie, est-ce que vous voulez autre chose pour votre territoire, comment est-ce que vous vous impliquez, comment est-ce qu'on peut faire pour faire bouger ou au contraire pour préserver les paysages, etc. Donc ça, c'est plutôt notre mission sur l'aspect pays d'art et d'histoire. Les photos, c'est une chose, mais le paysage, vous le savez, n'est pas seulement visuel, il y a aussi d'autres aspects. Donc, pour sensibiliser à nos paysages et commencer déjà à faire réagir un peu les habitants, on a travaillé donc sur des cartes postales sonores avec l'objectif de travailler sur un autre sens, tout simplement, qui est le sens de l'ouïe, qui permet, finalement, en se concentrant sur l'ouïe, de peut-être plus ouvrir le regard, ouvrir la vue, en tout cas de prendre le temps de regarder le paysage. Donc, je vais vous parler très rapidement de deux
deux expériences qu'on a eues. La première expérience a eu lieu sur la commune de Gorges, donc juste à l'échelle d'une commune du territoire. Donc, clairement, c'était un test pour voir comment ça pouvait se passer, comment les habitants pouvaient réagir et comment nous aussi, on était en capacité de suivre ce type de projet ou non. Donc, on a travaillé avec la commune et avec un artiste musicien qui s'appelle Benjamin Durand. Une stagiaire a été recrutée, c'est Eva Aurin qui finissait son master valorisation des nouveaux patrimoines à Nantes et qui a coordonné l'ensemble du projet. Et elle a bénéficié en quelque sorte d'un double encadrement de la part de la commune de Gorges et de la part de notre service patrimoine. Donc là, l'objectif, c'était de travailler avec les jeunes et d'essayer de voir avec eux quel était le paysage sonore de la commune et d'avoir une production artistique. On l'a fait en 2021, on était en plein milieu du deuxième confinement, donc entre ce qu'on avait prévu et ce qui a pu être réalisé, forcément, il y a eu quelques écarts, mais on a réussi quand même à s'en sortir. Au départ, on devait vraiment travailler avec les jeunes de l'espace jeune et donc avec l'association Animage qui gère ces espaces. On s'est plus retourné vers les scolaires et le périscolaire parce que c'était plus facile simplement en termes d'organisation, de gestion des groupes, d'éviter les brassages, etc. Enfin, on a été très limité par les contraintes dues à la Covid. Au final, on a fait des premières sessions de sensibilisation à ce qu'est le patrimoine avec les classes de la commune. Donc, on a travaillé avec les CE1, CE2 en présence d'Eva, notre stagiaire, et de Benjamin Durand, le musicien. On les a fait réfléchir un peu sur ce qui faisait le paysage sonore de leur commune et ils sont allés faire des captations. Alors avec du matériel très simple, avec un dictaphone, ben, voilà, on est resté sur quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. En parallèle, on a sollicité les habitants de la commune via le bulletin communal où on a proposé aussi aux habitants de faire leur propre captation et de les déposer à la mairie pour que Benjamin Durand, à la fin du projet, puisse faire une création artistique qui prenne en compte ces différentes captations. Eva a aussi pu travailler avec la maison de retraite de la commune, où voilà, il y a tout un tas de personnes qui avaient envie de raconter des choses. On a l'habitude de travailler régulièrement avec eux. Donc, il y a eu de la captation de témoignages aussi, qui ont été réintégrés dans les créations artistiques à la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers sons qui ont été collectés par les habitants ou les premiers sons qui ont été proposés par les élèves, ça a été les oiseaux, la nature, la rivière. Voilà, quand on a parlé paysage sonore, en fait, la première chose qui est ressortie, c'était quasi uniquement des sons naturels. En creusant un peu, on a eu les cloches de l'église, voilà, des choses plus facilement identifiable à du patrimoine, et puis en creusant encore, eh bien on a pu faire ressortir ce qui faisait l'identité de la commune, entre autres, c'est-à-dire le passage du train, puisqu'il y a une halte de tram-train qui va de Clisson à Nantes et qui est très régulier, qui draine beaucoup le territoire. Donc, tous les sons du train, c'est vraiment quelque chose qui imprègne la commune. Le train qui passe vite, le train qui s'arrête, les annonces SNCF, etc., etc. Et ça, c'était une partie de l'identité. Et puis, la deuxième chose qui est ressortie assez vite, c'est les bruits de la carrière. Il y a une carrière de pierre sur la commune. Et tous les mercredis à midi, il y a la sirène, l'explosion et le bruit des gravats qui retombe. Ça, c'est pas du tout ressorti au départ parce que ni les habitants ni les enfants se sont dit que c'était du patrimoine, que ça faisait partie de leur cadre de vie. Et en fait, juste en creusant un petit peu, c'est ressorti. Et pour nous, c'était très intéressant parce que là, on touche vraiment à la question du cadre de vie dans son ensemble. Donc, tous ces sons ont été collectés et puis on a eu une phase de restitution. Alors, en deux temps, on a eu d'abord une partie pour les scolaires. Donc, Benjamin Durand est revenu dans les écoles
pour présenter ce que les enfants avaient monté. Hein. Les enfants du périscolaire ont eu des ateliers de montage assisté par ordinateur avec Benjamin. Donc, il a fait ces restitutions-là et il a aussi présenté sa propre création à lui, qui était beaucoup plus longue, qui faisait une dizaine de minutes, je crois, et qui assemblait vraiment tous les éléments dont je viens de vous parler, du témoignage au bruit de la carrière en passant par le bruit de la rivière, et qui donnait vraiment une carte postale de la commune de Gorges. On avait prévu cette restitution au moment des rendez-vous au jardin, c'était en juin, mais il a plu le vendredi qui précédait les rendez-vous au jardin, donc la restitution a eu lieu dans une salle, comme vous le voyez sur la photo. Il y a quand même eu la découverte d'un jardin remarquable qui se trouve dans la commune. Simplement, on a coupé la restitution en deux, on n'a pas pu faire la restitution in situ. En revanche, le samedi, pour le grand public, il faisait beau, donc on a pu avoir la restitution de la carte postale sonore de Benjamin Durand dans le jardin. Voilà, c'était aussi l'occasion de découvrir ce jardin. Donc, c'est une expérience qui a pas mal déstabilisé à la fois les élèves, les habitants, un peu les élus de la commune qui ne s'attendaient pas forcément à ce qu'on fasse ressortir ce type de sens, ces interrogations sur le cadre de vie, mais c'était vraiment intéressant. Et donc, les élus ont souhaité qu'il reste une trace de... Voilà, il reste une trace de cette expérience et ils ont demandé à Eva de poser tous ces sons sur le site internet. Donc elle a travaillé sur deux types de présentations. La première, c'est la liste que vous avez en bas de l'écran. Elle a catégorisé un petit peu les différents sons. Et donc, ils sont tous là, ils sont tous écoutables. Hein, donc, c'est des tout petits extraits, mais ils sont tous là. Et puis, elle a fait une autre proposition de géolocalisation. Donc, à partir de la carte que vous avez là à l'écran, ben, on peut aller écouter le paysage sonore de cet endroit précis. Donc, on peut écouter le paysage sonore à proximité de la carrière, à proximité de la rivière, etc., etc. Voilà, donc comme je vous le disais, ça a été fait avec des moyens assez simples, les captations avec des dictaphones, le montage sur du logiciel libre, donc on n'a pas eu d'investissement particulier à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, la résidence artistique a coûté 4000 euros, grosso modo, si on additionne toutes les dépenses, et 600 euros supplémentaires pour la restitution de la création finale. Donc, on est sur un projet à moins de 5000 euros. La deuxième expérience dont je voulais vous parler fait suite à la première. Hein. La première, on testait, la deuxième, on est allé un petit peu plus loin. Et avec ma collègue Fleur Suteau, qui est médiatrice culturelle au sein du service, nous avons proposé au collège du territoire un parcours d'éducation artistique et culturelle. Le collège Abélard de Valette a répondu favorablement et on a travaillé avec une classe de 5e et avec leur professeur d'enseignement musical. Devaient aussi être associés les professeurs de français et d'histoire-géographie. Bon, clairement, ils ont suivi le projet, mais ils ne s'y sont pas franchement impliqués. Ils ont accompagné, mais il n'y a pas eu de travail spécifique avec eux. Donc avec cette classe de 5e, c'était un peu le même processus qu'avec les jeunes à Gorges. On a eu un premier temps sur la présentation de la notion de patrimoine, réflexion sur ce qu'était le paysage, les différentes unités paysagères autour du collège, puisqu'on a 7 unités paysagères au total sur notre territoire administratif, et il y en avait 3 qui se retrouvaient autour du collège. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une unité paysagère, qu'est-ce que ça représente, comment les jeunes se situaient aussi par rapport à ces unités paysagères. Et on a travaillé avec un autre musicien, Benjamin Le Baron, cette fois, qui a pris la suite, qui était déjà présent à ce moment-là, mais qui a pris la suite pour poursuivre la réflexion sur quel est le paysage sonore dans chacune de ces unités, qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui fait leur identité, etc. De la même façon, il y a eu des captations sur le terrain, voilà, des sorties
sur le terrain, dans les paysages de vignes, dans le paysage de marais, puisqu'on a le marais de Goulaine qui se trouve juste à côté. Et puis, dans l'échange avec les jeunes, on était à la rentrée, on était au mois d'octobre. Il y a eu aussi la dimension, au-delà de la stricte vendange, de ce qui se passe dans les domaines viticoles et des sons des domaines viticoles. Donc, ils sont allés voir une opération de mise en bouteille dans un domaine viticole. Partout, ils ont capté ces sons. Avec le musicien, ils ont fait l'opération de montage assisté par ordinateur. Ils ont chacun fait ils étaient par un groupe de deux ou trois, et chacun a fait sa restitution sur une unité. Voilà, chacun a pu avoir sa propre production. Pour des raisons techniques, je ne peux pas vous en faire écouter une, mais pour vous donner un ordre d'idée, là on voit les jeunes qui marchent dans les vignes, ils ont capté ces sons, ils les ont montés de façon à avoir quelque chose de très rythmé, donc on entend des pas très rythmés qui sont ensuite associés au bruit des bouteilles dans le système de mise en bouteille, et voilà, on identifie bien chaque son, mais c'est monté de façon à avoir une production musicale artistique, et ça a pu être fait grâce à la présence du musicien. Je voulais une chose, je vois la photo, ça a été l'occasion aussi de sensibiliser à d'autres types de patrimoine, savoir-faire vitivinicole, de tout ce qu'ils pouvaient voir autour d'eux. Et vous avez une photo de visite guidée ici. On a fait intervenir l'animateur nature qui travaille sur le marais de Goulaine. Donc il y a eu aussi cette part de découverte de la biodiversité, de l'écosystème du marais. Enfin, on ne s'est pas limité juste à l'aspect sonore, on est allé explorer les patrimoines dans leur ensemble. Il y a une restitution de toutes ces cartes postales dans la classe. Il y a une diffusion pour les autres classes du collège. Et puis, pour la nuit des musées, là, le 14 mai, la semaine prochaine, on va accueillir l'artiste et les jeunes au musée pour qu'il y ait une restitution auprès d'un public plus large, notamment des familles qui sont invitées au musée. Ça va être croisé avec un autre PEAC qu'on a aussi réalisé cette année autour des paysages, mais avec une photographe. Donc, on va pouvoir confronter ou mettre en relation l'aspect photographique, l'aspect sonore. C'était sur un autre collège, une autre zone du territoire, mais l'idée, c'est qu'il y ait un dialogue qui puisse se créer. Voilà. Alors, en termes pratico-pratiques, nous, notre part, ça a été la coordination de l'ensemble du projet. Ça a été les premières étapes de sensibilisation à ce qu'était le patrimoine, à ce qu'était le paysage, etc. Et la mise en place, enfin, le lien avec l'artiste musicien. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il est intervenu sur une vingtaine d'heures, lui aussi, et le coût de son intervention dans le collège était à un petit peu moins de 3 000 euros, 2 800 euros grosso modo, pour ce PEAC, sachant qu'on a eu des aides de la DRAC et du département de Loire-Atlantique pour financer le PEAC. Donc c'était une très belle expérience aussi, ça a très bien fonctionné avec les jeunes. On attend la restitution la semaine prochaine pour voir comment ça passe auprès du grand public et des familles. Voilà ce que je pouvais vous dire de ces expériences. Merci à vous, Clotilde, pour cette intervention. Et puis effectivement, on peut maintenant passer au CROISIC. Donc, on va vous parler d'un programme qui a été initié, qui s'appelle les Croisiquets et la mer, regards croisés. C'est un programme qui s'est intégré, c'est appuyé sur l'expérience, bien entendu, de l'OPCI et du Centre de ressources Ethnodoc, qui rentre dans le cadre d'un appel à projet qui avait été fait. Nous sommes petite cité de caractère, donc nous sommes partie du réseau des petites cités de caractère des Pays de la Loire. Et nous sommes une des trois petites cités de caractère de Loire-Atlantique et nous sommes intégrés. Donc, il y avait un appel à projet sur un programme qui s'appelait le Caractère, patrimoine vivant des petites cités. Et donc, avec Philippe Lacroix, conseiller subdélégué au patrimoine, on a donc adhéré à ce projet et on a orienté, après avoir
fait un petit groupe de travail orienté, bien entendu, sur cette démarche sur la mer, sur la place que tient la mer au sein de notre commune littorale et à travers la mémoire et les regards croisés, c'est-à-dire d'avoir des acteurs, enfin, vous allez voir, à travers des collectages qui prennent des acteurs directement liés à la mer, mais qui peuvent aussi être parallèlement liés à la mer, mais qui ont toujours un lien à la mer malgré tout. Donc, le programme, donc, on s'est appuyé sur l'expérience de l'OPCI, hein, c'était étudier, valoriser, transmettre la mémoire collective, les pratiques culturelles, les savoir-faire et les éléments du patrimoine culturel immatériel. Et donc, comme je le rappelais, dans une démarche beaucoup plus générale où un certain nombre de petites cités de caractère des Pays de la Loire ont mis en avant les spécificités de leur territoire à chaque fois. Le programme caractère, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un programme de développement culturel et touristique qui est basé sur le patrimoine culturel immatériel et donc qui a été co-inventé par le réseau régional des petites cités, par l'OPCI, et donc a été, comme je le rappelais, proposé aux communes pour valoriser leur patrimoine vivant et faire converger les démarches de valorisation de l'ensemble des patrimoines architectural, archivistique et immatériel. C'est vrai qu'au Croisic, comme assez souvent, on a fait un gros travail déjà sur le patrimoine architectural et donc sur le patrimoine paysager, et donc c'est vrai qu'il y avait cette notion d'immatérialité, en fait, de mémoire, où il y avait eu des choses qui avaient été faites, mais qui n'avaient pas été forcément autant formalisées que ce que l'on fait dans le cadre des Croisiquets et la mer. Et donc, la double finalité, puisque évidemment, chez nous, c'est important, on est une commune touristique, donc avec une fluctuation de la population, une population qui est multipliée par 5 l'été, et qui, évidemment, draine un certain nombre de gens qui séjournent, qui ont des maisons de famille ou qui viennent régulièrement, mais aussi des gens de passage. Donc, c'est comment fabriquer du patrimoine, patrimonialiser donc tout ça en révélant, étudiant, conservant, transmettant, et puis également créer du lien social, puisque je parle des touristes, des gens qui viennent visiter notre commune, mais on pense bien entendu aux habitants ou de souche ou nouveaux habitants, puisqu'on a aussi, nous aussi, un renouvellement de la population avec des néo-croisiquets, des gens qui viennent passer leur retraite ici. Et donc, ça leur permet aussi de connaître, en tout cas, d'avoir des éléments de mémoire par rapport à l'histoire de cette commune et ce qui s'est passé plus anciennement ou plus récemment dans cette commune. Donc, on a travaillé à partir de ce petit organigramme, hein, qu'on n'a pas inventé, hein, qu'on a repris grâce à l'OPCI. Donc, on est organisé, donc, Philippe Lacroix, donc, est subdélégué au patrimoine et l'élu, entre guillemets, pilote du projet. Moi, en tant que directeur du patrimoine au sein de la collectivité, je suis technicien. Donc, on travaille en symbiose et donc, on se dirige, enfin, on va collecter auprès des habitants et on va s'appuyer sur les ressources techniques et organisationnelles que peut nous apporter l'expérience de l'OPCI, voilà, ou les expériences de tant d'autres domaines. Donc, ça passe par un inventaire, bien entendu, un inventaire des personnes ressources, un inventaire également, enfin, je veux dire, un collectage, hein, qui a été assuré, qui est assuré par Monsieur Lacroix, il en parlera, qui est assisté par un vidéaste amateur, croisiquet, qui travaillait déjà de son côté et qui on s'est associé les compétences et qui évidemment maintenant est partie prenante, Monsieur Michel Hervy. Et puis, ben, tout ça, c'est après, évidemment, c'est pas de collecter et que ça reste sur un ordinateur ou dans une, mais que ça puisse être partagé, archivé de façon organisée, mais également partagé. Et on va le voir, donc on a pris différentes orientations. Hein. Aujourd'hui, on essaie des choses, tout n'est pas abouti, on a plein d'idées pour valoriser tout ça, mais c'est bien l'idée de partager. Donc je le rappelais, hein, la prise de contact, c'est donc un élu référent, un technicien, un comité de pilotage à travers des associations locales, les acteurs de la mer, hein, le port du Croisic, le club de croisière Croisiquet,
On a également un bateau monument historique, le Curun, donc l'association qui gère le bateau pour la ville. Et voilà, enfin, tout un certain nombre d'acteurs qui peuvent nous apporter, nous signaler des personnes ressources ou faire partie des personnes ressources. Ensuite, c'est vrai qu'on est, on a, nous, au CROISIC, déjà depuis de nombreuses années, une politique à la fois urbaine, à la fois d'aménagement du territoire, à la fois de protection, qui fait qu'il y a une forme de cohérence en fait, entre les actions qui peuvent paraître plus techniques, comme tout ce qui est urbanisme et autres, mais aussi culturelles et aussi touristiques. Donc tout ça est complémentaire, d'autant que notre office de tourisme est municipal, donc c'est vrai qu'on travaille, voilà, notre urbanisme est également municipal, on n'a pas intégré la communauté d'agglomération non plus, donc on gère tout directement, pas par des intermédiaires. Et puis, quand on en avait commencé à en parler, on s'était dit qu'il y avait une forme d'urgence, dans le sens où il y a des témoins aujourd'hui qui arrivent à un âge avancé, qui ont connu des évolutions très, très marquantes dans les 50 dernières années, hein, tant sur le plan technique que sur le plan des comportements, sur le plan des matériels, etc. Donc, il s'agissait peut-être d'aller d'abord vers ces gens-là. Mais on se rend compte, Philippe Lacroix vous en parlera, que finalement, on ne s'est pas limité à ça, puisqu'on est un peu dépassé par les événements, dans le sens où on a beaucoup de gens qui veulent témoigner. Beaucoup plus qu'on l'aurait pensé au début. Et donc, on prend tous les témoignages parce que tout le monde a un lien proche ou direct avec la mer. Ces archives, donc, c'est après comment les partager. Alors, nous, on a fait le choix, en fait, j'ai dû mettre une image ensuite. Alors, je voulais juste vous rappeler donc, que le CROISIC, c'est une histoire. Hein, donc, il y a une histoire ancienne qui est liée au commerce du sel. Il y a un musée à Bas-sur-Mer, un musée des Marais Salants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a plus par les archives et par les documents iconographiques que par la mémoire, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus lointain, qui remonte plus récent, au début du XXe siècle. On a ce bateau monument historique, donc le Curun, que vous avez en photo sur la droite. Donc, il y a une histoire avec une personnalité, Jacques-Yves Toublin, qui a fait le tour du monde en solitaire, qui était quatrième homme au monde à l'époque à le faire le tour du monde en solitaire. Donc il y a quelque chose autour de ce bateau, aussi autour de la construction navale, puisque ce bateau il a été construit dans un chantier local. Et puis également, après le sel, il y a eu le développement de la pêche à la sardine du 19e siècle, avec là aussi une histoire des conserveries, des ouvrières, des ouvriers. Et donc un certain nombre de choses qui se sont poursuivies quasiment jusqu'à la fin des années 60. Donc là, dont il reste encore pas mal de témoins. Grande migration. Hein. Et je vais y venir. Et un phénomène très spécifique au CROISIC, par le manque de main-d'œuvre, puisqu'on est sur une presqu'île, un petit territoire, d'une population finistérienne et morbihanaise qui a migré au CROISIC à partir de 1914 et qui a fait souche. Et pour vous donner un ordre d'idée, on était 2000 habitants à cette époque-là. Il y a 1000 personnes du Finistère et du Morbihan qui sont venues s'installer définitivement au CROISIC, donc un tiers de la population. Et aujourd'hui, un tiers de la population vivant encore au CROISIC a des souches finistériennes, principalement de Douarnenez et Guilvinec. Et donc, vous voyez les dentelières bigoudaines hein, sur le port qu'on voyait encore il y a une vingtaine d'années. Tout ça, ça fait partie vraiment de l'ADN du CROISIC. Hein. C'est-à-dire qu'au CROISIC, on est dans la Bretagne culturelle et historique, mais il y a eu ce phénomène de migration qui a renforcé en fait, cette bretonnité, entre guillemets, si je peux dire, et surtout avec un certain nombre de choses. Hein. Par exemple, les crêperies, qui sont des choses emblématiques sur nos côtes, ont été amenées par les Finistériens. Hein. On ne mangeait pas des crêpes et des galettes autrefois dans la région. Sans compter ce qui tourne autour du monde maritime, hein, évidemment, la fête de la mer le 15 août, des processions, un certain nombre de comportements et de fêtes qui tournent autour de ça. Et puis surtout une présence vous le voyez à travers la photo qui est en bas à gauche, une présence de la pêche très marquante jusque dans les années 80 et qui aujourd'hui s'étiole, même si nous avons toujours un port de pêche. Donc là aussi, la part d'habitants concernés directement par le monde de la pêche
aujourd'hui presque anecdotique au regard de ce qu'elle était il y a encore 40 ou 50 ans. Alors j'avance. Donc on a commencé par faire un appel à contribution et collectage. On avait fait une exposition de plein air avec ce document-là qui appelait à communiquer, à fournir des illustrations, etc., à témoigner. Cette première expérience n'a rien donné. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun contact lié à cette exposition de plein air qu'on avait mis pendant tout un été. Donc finalement, alors on avait également communiqué dans le bulletin municipal. Hein. Et puis finalement, ça s'est fait à travers, je vous parlais du vidéaste tout à l'heure, à travers quelques personnes ressources qu'on avait en tête, et par ces personnes ressources, par les échanges, par le bouche à oreille, eh bien, c'est pas comme ça finalement que peu à peu on arrive à des dizaines de témoignages aujourd'hui. On va vous montrer un extrait tout à l'heure. Hein. Donc l'idée, bien entendu, c'est à terme, en plus on vient de recruter un jeune bibliothécaire à notre médiathèque, donc qui est croisiqué par ailleurs. On va lui confier justement d'avancer sur l'indexation, sur l'archivage de toutes ces vidéos, qui va être un gros travail, hein, parce que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données. Donc ça, aujourd'hui, on n'a pas du tout commencé. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans le collectage, on n'est pas du tout dans l'indexation et dans l'archivage. Et puis, on a sur le partage, on a commencé, Philippe Lacroix a eu l'idée de créer dans notre médiathèque, on a depuis 5 ans maintenant une vraie médiathèque. Je dirais avant c'était une bibliothèque assez modeste, maintenant on a vraiment un lieu de vie qui fonctionne très très bien, et donc on a créé un département entre guillemets, une section consacrée à ce collectage, avec donc les CD qui sont à disposition pour la population et qui donne une visibilité, alors évidemment avec l'accord de toutes les personnes interviewées, hein, mais alors c'est amusant puisque les gens s'empruntent les DVD entre eux, hein, pour voir ce que le voisin a dit ou ce que l'ami a dit, mais ben, on sait que ça fonctionne très très bien, hein, et on en parlait en vous écoutant, là, c'est vrai qu'on va aussi rapprocher le fonds local, c'est-à-dire tous les ouvrages locaux, de ce... l'endroit où sont placées les vidéos pour vraiment créer un lien, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas au même endroit. Et puis, ça, c'est des choses qu'on avait déjà commencé, mais qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on fait des expositions de plein air l'été. Là, vous en aviez une l'an dernier sur les 120 ans du sauvetage en mer, hein, parce qu'on a une station de sauvetage au Croisic. On l'a depuis 2 ou 3 ans, on fait également sur les bateaux de travail, à travers des illustrations anciennes. Donc, on est sur des sites publics, là, des parcs ou des promenades. Donc, c'est souvent mis en place entre juin et la fin de l'année. Hein, donc, ça permet comme ça de rappeler ou d'apporter de l'information à tous les gens, habitants ou visiteurs qui viennent au Croisic. Et puis, je vais passer la parole à Philippe Lacroix. Ensuite, vous pourrez regarder la vidéo qui dure 4 minutes. Pour terminer, moi, ce qui me concerne, c'est vrai que moi, je n'avais pas, en tant que technicien, le temps d'assurer les témoins, enfin, d'assurer les collectages. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un élu motivé donc le vidéaste en question, hein, parce que c'est vrai que c'est, enfin, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que c'est consommateur de temps, mais il faut prendre le temps avec les gens. Moi, ce que j'en ressors en tant que historien et conservateur du patrimoine, c'est vrai que on a une matière qui est vraiment très riche, hein, et comme je vous l'indiquais, on n'est pas uniquement sur des, entre guillemets, des vieux pêcheurs, c'est pas péjoratif, mais des gens, des anciens. On est sur des gens qui ont quitté leur métier il y a finalement assez peu de temps, et sur des gens qui sont encore actifs. Donc on va avoir des fois 3 générations, hein, de pêcheurs, ou de, donc avec tout ce que ça représente, et je trouve que c'est important justement. C'est pareil, on avait réfléchi à travailler avec les scolaires, mais la difficulté avec les scolaires, c'est que
Aujourd'hui, je vous disais, la population se renouvelle. Et vous avez dans les scolaires des gens qui ont des parents, des grands-parents qui ont été pêcheurs ou qui ont été liés au monde de la pêche ou à la mer. Mais vous en avez aussi qui n'ont pas du tout de lien, qui sont des nouveaux habitants. Donc, c'est, voilà, c'est ne pas créer enfin, voilà, entre les enfants. Donc, c'est de trouver le bon équilibre, en tout cas le bon axe pour que les enfants se sentent tous un peu concernés. En tout cas. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas commencé à travailler là-dessus. Philippe, je te passe. Oui, bon, bonjour à tous. Je reprends le récit. Alors, c'est assez marrant parce que là, vous avez vu deux images de deux personnes. Le dernier, c'est le fils du premier, le vieux monsieur qu'on a vu dans la première image. Dans les collectes, là, on a Jean Picot, le père, et les deux fils. Les deux fils qui pratiquaient des pêches assez différentes. Un qui était plutôt un casse-cou et l'autre un novateur. C'est quelqu'un qui a... Et là, on arrivait à faire la différence. Et c'était assez intéressant entre le discours du père et des deux fils. Donc, moi, j'ai commencé sur un territoire qui m'était inconnu, puisque je suis croisiquet depuis une bonne dizaine d'années seulement. Je viens du bord de mer, j'étais concarnois pendant assez longtemps, et je connais un petit peu l'univers de la mer à travers la vie à Concarneau. Et c'était de me fondre dans ce paysage, et puis de voir très vite de comprendre avec qui, quelle équipe on allait faire. Donc la chance de rencontrer Michel Hervy, un personnage assez atypique qui a été marin-pêcheur de 14 ans jusqu'à 56 ans, 7 ans, sa retraite, et qui à partir toujours très aussi novateur, c'est-à-dire il avait tous les instruments électroniques sur le bateau avant les autres, donc il était très à l'aise avec toutes les formes, on va dire, de machines. Et tout de suite, il est passé de cette passion-là à créer ils ont créé une association qui s'appelait les Croisimages avec une autre personne. Et ils ont commencé à faire des films de fiction, là, qu'on ne va pas regarder, parce que c'est très particulier. Mais en même temps, ils se sont dotés d'outils intéressants. Est-ce qu'ils ont su numériser tous les vieux films Super 8 et tous les films qui étaient sur des supports VHF, des familles. Donc, au début, ils prennent des mariages, ils numérisent le mariage de la mère, du grand-père, etc. Et petit à petit, ils arrivent à avoir une collection, on va dire, d'images absolument éblouissantes de la population dont on parlait, qui va concerner quoi, un bon millier de croisiquets. Donc, on s'est rencontrés, ça a fait un écho, la demande que je lui ai faite. On ne savait pas trop où on allait, donc on a fait une première expérience avec lui. C'est-à-dire que la première vidéo, c'était lui, le sujet. Donc, je l'ai pris en vidéo avec son épouse, qui était aux manettes aussi, parce qu'on travaille avec trois caméras, enfin, c'est un petit peu compliqué, il veut faire les choses bien. Et puis, ça nous a encouragés, parce que ça avait du sens, et lui-même s'est trouvé... apprécier de se voir, ce qui est quand même déjà assez difficile. Et puis on a fait une deuxième vidéo avec des gens qu'on connaissait bien aussi, donc ça a favorisé les choses, et puis on a à peu près trouvé notre principe de fonctionnement. Donc au début, grâce à lui, on a les entrées, parce que c'était de pêcheur à pêcheur. Mais très vite, on a trouvé des gens un petit peu emblématiques, des personnalités qui sont assez connues. Entre autres, le deuxième, c'était un homme qui a pêché quand il était jeune, mais qui a tenu le bistrot en face la criée pendant pratiquement 30 ans. Donc, c'est une personnalité au Croisic. Et puisqu'on avait été chez Jean-Pierre, d'un seul coup, et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé au feeling, quoi, à construire notre démarche. Je le disais l'autre fois, il m'a semblé absolument pas opportun d'avoir un guide méthodologique, c'est-à-dire j'ai été un petit peu à l'instinct ou au feeling au niveau de la manière dont je conduis l'entretien. C'est certain, on pose une question et une heure après, on coupe parce que ça fait déjà une heure qu'on y est, donc on n'a rien à faire. Il suffit d'être disponible. Et puis d'autres, il faut relancer ou réorienter parce qu'on s'éloigne vers des sujets plus personnels ou des règlements de compte ou je ne sais pas quoi, ou de ramener au métier. Donc ça, on a appris assez vite à le faire. On obtient une matière
que Michel s'est monté parce qu'il a les bancs de montage, il a tout presque comme un professionnel. Et aujourd'hui, on est arrivé à fabriquer ces DVD, etc. On commence à se poser la question du sous-titrage. Donc, on arrive à sous-titrer en français les petits formats. Parce qu'aujourd'hui, on fait à la fois un grand format vidéo et en même temps, on fait un petit format d'une minute. Puisque j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'une animation autour de la semaine maritime qu'on a fait avec le Chasse-Marée et le PCI, de faire une installation de tous ces portraits, c'est-à-dire qu'on avait une installation, il y avait 30 personnes qui parlaient, une minute sur un sujet. Donc, une espèce de voix, une partie de la population était là, nous racontait des choses. Et puis, ça nous a semblé un format très, très intéressant pour exploiter, par exemple, avec des enfants ou pour exploiter sur le site de l'Office du tourisme. C'est-à-dire, on peut aller cliquer, qu'est-ce que c'est les croisiquets à la mer, et on a un tout petit format. Parce qu'on sait bien que dans les pratiques aujourd'hui de zapping, il faut que les choses durent très très peu de temps. Donc ça veut dire qu'on fait, en termes de méthodologie, un sujet qui dure entre 30 et 45, 50 minutes, et puis dedans, on va extirper tout de suite une petite chose d'une minute. Maintenant, Michel fait une introduction personnalisée, c'est-à-dire qu'il a un drone, et à chaque fois qu'on va chez quelqu'un, on y arrive par les airs, en passant par le port, à peu près. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. Il arrive à intégrer un pré-récit de la personnalité des gens à travers la géographie, c'est-à-dire l'endroit où il habite et l'endroit où il a travaillé. Et on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il prépare les rendez-vous en essayant de collecter des images. Par exemple, il a un copain à l'Île-Dieu qui collectionne les bateaux de pêche. Et ils sont deux, trois comme ça sur la côte à s'envoyer des images. Donc, on arrive à retrouver les bateaux dont les gens vont parler, à les identifier, à avoir l'immatriculation, parfois à savoir les chantiers qui les ont construits. Alors, tout ça, c'est dans la vidéo. Hein. On n'a pas extirpé, mais... on va voir comment on va faire. Donc, ce travail de préparation, il l'a fait instinctivement parce qu'il avait envie d'arriver chez les gens le travail en train de se faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on voit les gens, ils comprennent qu'on a déjà travaillé sur les éléments de patrimoine dont ils vont nous parler. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les photos de leur bateau, qu'on les a trouvés quand ils étaient jeunes. Et ça donne une dimension ça donne un attachement parce que il y a eu quelque chose qui était de l'ordre de l'attention, c'est-à-dire qu'on a porté attention à qui ils sont. On ne vient pas consommer seulement un bout de leur temps pour fabriquer un truc qui ne serait que personnel ou qui irait je ne sais où, quoi. On peut lancer, Philippe, là. Pardon de te couper, est-ce qu'on peut lancer la vidéo en même temps que tu oui, si vous voulez, bien sûr. Ton propos? Vous avez le lien, donc je vous laisse. Dans la discussion, vous avez le lien sur YouTube, donc je vous laisse. Oui. Ça nous laissera, je crois qu'elle dure 4 minutes, ça nous laissera un quart d'heure pour échanger tout ça. Ah, je vais faire court alors. Donc, comme le disait Laurent, maintenant on n'a plus besoin d'aller les chercher. Et du point de vue technique, je rappelle avec des documents comme ce qui est dans notre DPD, je rappelle la dimension générale de la démarche, la dimension un petit peu particulière par un document comme ça, de qui nous sommes, en mettant le PCI, les PCC, la ville du Croisic, et puis derrière un petit portrait de Michel Hervy et de moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et puis, on a fabriqué des documents avec les conseils de Philippe et puis à partir des documents de Philippe qui sont ici, qu'on mettra à disposition, qui sont des autorisations d'exploitation de droit à l'image et puis des formulaires de consentement sur les actions scientifiques et culturelles. J'ai tout ça numérique, je le fais à chaque fois. Voilà un petit extrait d'une minute. On est rendu à combien ? On a fait 35 portraits, là. Et tu en as combien en attente? Il faut qu'on fasse attention, il y en a 40, alors ça va faire beaucoup. Donc là, on est dans la partie deuxième, vraiment fin deuxième partie du XXe siècle, hein. On est sur des bateaux modernes, on est sur quelqu'un qui, à la fois, nous parle de comment il a appris, de ce qu'il a hérité de son père et de comment il l'a traduit dans les nouvelles formes, à la fois de la vente,
des bateaux très modernes. Et il y a des choses, par exemple, qui sont extrêmement intéressantes. C'est sur ce que dit Gaston, là, qui est ici, c'était l'évolution par rapport à la qualité. Donc là, on a quelqu'un de plus âgé, Simon Le Cossec, qui nous parle des années 60, hein, qui est une figure du Croisic et qui a été élu. Et qui était patron du bateau de sauvetage également. Donc, il avait beaucoup de responsabilités au niveau du monde de la pêche à l'époque où ce n'était pas facile. Et lui, il fait partie justement de ces familles venues du Finistère. Donc, quand on travaille sur ces, il y a des choses que je disais, il y a des choses qui apparaissent qui pourraient être nouvelles. Par exemple, à l'époque où Simon parle, il y a 100 bateaux de pêche à la sardine dans le port, il y a 14 hommes dans chaque bateau, donc on a 1400 hommes qui sont sur le port et il y a 800 femmes aux conserveries. Je ne sais pas si vous imaginez, dans une population de 2 à 3 000 habitants, ce que ça donne comme vie, quoi. Donc effectivement, on a plein de bistrots, les affaires se passent au bistrot. On a tout un tas de sujets qui arrivent, qui sont extrêmement complexes, qui nous montrent que c'est infini ce qu'on pourrait faire. Donc on continue à avancer, on verra quels moyens on se donnera pour essayer de... Ça, c'est Simon, là, l'homme qu'on a vu avant, 30 ans de moins. Et c'est lui qui était le jeune homme chevelu débarquement du bateau. C'est-à-dire, on a retrouvé les images. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, on a des fois aussi des couples en fait, qui témoignent. C'est-à-dire que ça permet aussi évidemment de voir la place de la famille derrière le patron pêcheur, ou enfin, voilà, la complémentarité souvent qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est précieux parce que c'est pas simplement un témoignage, c'est grâce à Michel Hervy, on a également des documents qui sont en lien avec les témoignages, et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Voilà où on en est. On continue, on va essayer de trouver des idées, on va essayer d'affiner, on va essayer d'indexer, on va essayer de continuer cette mission. On est en train de se poser les questions de quoi faire après. Voilà, et j'ai été très séduit par le document proposé par Clotilde sur les cartes postales sonores. J'ai trouvé ça très, très intéressant, ça me donne des idées. Du coup, c'était très intéressant. Je faisais le lien entre tout ce travail d'inventaire et le fait de pouvoir ensuite intégrer cela dans les labels, justement, petite cité de caractère, pays d'art et d'histoire. Mais je pensais aussi à tout ce qui est classement UNESCO. Donc, la cohérence, justement, de tout ce travail avec les labels qui qualifient, en fait, notre patrimoine. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a des témoignages là-dessus ou peut-être approfondir cette question. Effectivement, Christophe, il peut y avoir des démarches qui donnent lieu à la candidature d'un élément du patrimoine immatériel à l'inventaire national du PCI en France. Marjorie a présenté l'exemple tout à l'heure du carnaval de Nantes. Donc, c'est pas systématique, mais et puis la qualification de la dimension patrimoniale, c'est vrai qu'avec le PCI, la convention de l'UNESCO 2003, elle a été un petit peu remise en cause. Aujourd'hui, on s'attache aussi à la valeur qui accorde les communautés, quoi. C'est le cas au Croisic. Voilà. Mais au Croisic est déjà dans une démarche de toute façon de labellisation et de qualification à travers les petites cités de caractère. Bon, je ne vais pas parler pour vous, hein, Philippe et Laurent, ce qui fait que ça enrichit et ça vient la démarche, quoi. Oui, ça nous paraissait complètement complémentaire, en fait, hein, parce que c'est vrai que, comme je l'indiquais, on a beaucoup travaillé sur l'architecture et sur le paysage. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose de complètement complémentaire. C'est un paysage habité, quoi. Voilà. C'est assez simple. Voilà. On est sur un scénario, on est presque sur la notion du récit général, du récit global et du paysage habité. Les quelques animations auxquelles on pense dans les futures expositions ou des installations sonores, elles seront de cet ordre. C'est-à-dire, on va continuer
à parler des habitants, même s'ils ne sont plus là parce que trop vieux ou plus là du tout, c'est de considérer qu'une épaisseur, quoi. Oui, merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je viens plus du domaine des sciences humaines et sociales, et notamment avec l'Université de Nantes, où nous travaillons sur les récits de vie, les histoires collectives. Et à ce sujet, je voulais juste revenir sur la phase de collecte. Je voulais savoir si les narrateurs, les personnes qui témoignent, avaient une restitution de leur récit, soit sous forme écrite, soit sous forme sonore enregistrée, ce qui permet aussi d'avoir des compléments et aussi une prise de conscience ou de réflexivité sur ce qui s'est passé, sur des précisions, etc. Et puis juste pour rebondir sur la piste évoqué en dernier lieu sur d'éventuelles médiations sonores. Je voulais juste vous indiquer le travail qui a été fait avec France Culture sur Sonore de Rivet et les anciens ouvriers des chantiers navals de Nantes avec lesquels moi je travaille. Voilà, sur France Culture, il y a cette petite vignette sonore qui est très intéressante sur comment médiatiser autrement, d'un point de vue artistique, l'ambiance de travail de l'époque, en tout cas les chantiers navals. Merci beaucoup pour cette précision, Michel, ouais, cette information. Si je peux répondre, qu'est-ce qu'on restitue aux familles ou aux intervenants, c'est ça la question, hein. Oui, c'est ça, c'est souvent on collecte, mais les gens sont en attente de qu'est-ce qu'on va en faire. Alors ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on leur a rendu dans une forme élégante, avec un petit coffret personnalisé, sous forme DVD et avec une clé USB numérique. Et la plupart du temps, on a numérisé et revalorisé les documents qui nous ont passés en les nettoyant ou en leur offrant une deuxième vie, on va dire, de ce qu'ils avaient dans les cartons. Et ça marche très fortement quand ils veulent donner ça aux enfants ou aux petits-enfants. Parce que leur document est éclaté, c'est-à-dire qu'on a un vieux carton avec les photos quand on est jeune, on a un autre carton avec les photos du bateau parce que c'est plutôt dans le tissu économique et travail, on a un bout de film Super 8, un départ de pêche, et puis nous on arrive avec, et tout ça on arrive à remettre ça d'abord sur une entité unique, c'est-à-dire entière, et puis de leur rendre, et beaucoup organisent des vues, des soirées TV autour de leur film parce qu'ils n'ont pas su refabriquer ce lien, cette part de vie, ce récit de part de vie. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on a du succès. Mmh. Parce que Michel Hervier est extrêmement généreux, donne tout ce qu'il a. Il n'est absolument pas question d'en faire un argument d'échange ou quoi que ce soit. Et il se retrouve la plupart du temps, même avec des documents qu'il ne connaissait pas. Entre autres, on a vu une dame où on a donné un film commenté avec un charpentier de marine où c'était son mari qui fabriquait le dernier bateau en bois atlantique. Et là, c'était les larmes. C'était compliqué parce que le mari est disparu depuis longtemps. Et ça a été pour eux un choc dans la famille très, très important. C'est-à-dire que, mais ça, c'est vraiment une intention qu'on a. C'est d'abord eux. Oui, juste pour prolonger, merci pour cette dimension, je dirais, qualitative, c'est-à-dire d'être à l'écoute des personnes qui donnent leur témoignage, leur récit. Et je voulais rebondir sur la question de la méthodo. C'est vrai que je trouve toujours intéressant de comment on accepte que le chemin se fasse en marchant. C'est-à-dire qu'on a des balises, on a des repères, évidemment, mais on va construire avec les sujets narrateurs, avec les gens, et je trouve que c'est toujours très riche. Ça nous fait prendre des chemins très différents. Pour répondre à votre question aussi, dans le cas de la collecte qui donne lieu à des fiches d'inventaire, par exemple, ou notamment dans le cas de collecte pour une thèse, par exemple, pour ma part, je veille à faire relire, et en tout cas, même si les gens ne font pas partie du comité scientifique ou du pilotage des fiches d'inventaire, on va à certains, par exemple, carnavaliers du carnaval de Nantes, leur faire relire les fiches d'inventaire, puisqu'il y a des extraits d'entretien à l'intérieur des fiches d'inventaire, ou en tout cas, elles sont basées sur leur témoignage. Et à l'issue de ces relectures, cela peut donner des modifications et raviver certains, voilà, certains,
certaines choses à rajouter à la collecte ou à rajouter à la fiche d'inventaire. Donc évidemment, ça se construit avec eux et à chaque fois, ils apportent leur pierre à l'édifice et on leur restitue. Et puis, ils ont accès évidemment à la base radeau pour réécouter leur entretien. Côté restitution, la fiche d'inventaire est importante. Enfin, en tout cas, au départ, même si les carnavaliers, par exemple, à Nantes, mesuraient pas l'importance de la démarche, le fait qu'il y a ensuite une reconnaissance à travers cette fiche d'inventaire et cette relecture qui leur est permise, ça a fait aussi office de reconnaissance et puis la possibilité de la relire et de rajouter des choses après coup sur leur témoignage, c'est important aussi. C'est formateur, hein, ça amène un récit où on prend conscience de, et c'est vraiment très formateur. Merci. Je voulais intervenir pour évoquer le fait, et on le voit ensemble, que nous avons deux démarches en parallèle, hein, une démarche de long terme, de patrimonialisation de toute cette matière. Et à notre sens, c'est vraiment fondamental, on fait du patrimoine, donc ces sources orales, iconographiques, vidéos, ont vocation à être transmises aux futures générations et en cela être documentées, indexées dans des bases pour permettre aux chercheurs, aux communautés, dans 10, 20, 30, 50 ans, de pouvoir y accéder. On ne va pas ouvrir le débat ici, mais c'est un vrai chantier. La question se pose ensuite des technologies de conservation et d'indexation, hein, et évidemment du monde et des géants américains du numérique, ou alors de solutions, on va dire, libres. Et puis, la deuxième ligne, c'est celle de la valorisation à court terme, de la restitution assez vite aux communautés, à la fois pour entretenir le mouvement, mais parce qu'on a aussi une obligation de restitution. Donc, il y a ces deux démarches, hein, long terme, patrimonialisation, matériaux pour la recherche, et puis court terme, restitution, et on a d'excellents exemples ici, hein, il me semble, de cette articulation. Si je peux me permettre, je ne suis pas un politique dans l'âme, hein, c'est tout nouveau pour moi, mais j'ai l'impression de faire de la politique dans la mesure où ça redonne de la puissance à cette communauté qui accueille cette idée du tourisme-là. Je me demande si on n'est pas en train, c'est pas moi, c'est le travail, rendre de la solidité et de l'identité. Et à partir de ce moment-là, une population qui va bien, elle s'engage, elle participe. Je le vois bien avec les associations. Maintenant, ça se passe très, très bien. On fait des choses en commun. Tu en as été témoin, Philippe, sur l'expo qu'on a montée. Les associations du Croisic s'associent à notre travail. On l'échange, on fait de la cuisine. Et on s'aperçoit qu'il y a une communauté accueillante, de puissante au niveau de son... C'est toujours embêtant au niveau des termes d'identité, ils sont toujours difficiles à dire, j'en trouve pas d'autres là. Mais, et ça, j'ai l'impression que c'est politique, mais, parce que ça amène un art de vivre, enfin, une pensée positive de nous-mêmes. Il ne peut pas y avoir de tabou avec le mot identité, hein, il est dans la définition de l'UNESCO, hein, le PCI est constitutif du sentiment d'identité des communautés. C'est un mot qui ne doit pas poser de soucis, même s'il est repris effectivement dans le champ politique. Dans le domaine des sciences humaines et du patrimoine immatériel, il est légitime. Ça nous détermine vers une politique culturelle. Enfin, on ne fait pas que ça, hein. Mais une grande partie de la politique culturelle qui est menée par l'Office du tourisme et puis des choses qu'on fait en interne dans la mairie, on a comme une conduite. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne va pas au hasard. On commence à comprendre les attentes ou on commence à comprendre vers où on peut aller, quoi. C'est-à-dire, il y a des indicateurs qui se lèvent tranquillement et ça, c'est quand même très, très intéressant pour amener une politique culturelle derrière. Merci, bonjour. Bonjour à tous et puis merci, c'était super, vraiment très intéressant de voir tout ça. Moi, c'était juste une petite réflexion parce que j'étais en train de travailler tout en vous écoutant sur des photographies du musée de la pêche de Concarneau, donc ça faisait écho à ça, et je pensais justement, c'est une petite chose, mais au niveau de la collecte, moi je travaille sur les objets en tant que restauratrice, ceux qui sont collectés et qui rentrent dans les collections, et là notamment ceux sur quoi je travaille, en fait je ne sais pas si c'est une collecte, je ne sais pas comment ça est arrivé au musée, mais je crois que le musée de Concarneau, ça a été beaucoup de collecte auprès des habitants, des entreprises. Et en fait, on n'a pas le contexte de la collecte, le contexte matériel. Et
Je me dis, on a souvent, nous, à notre niveau, quand on va traiter des objets qui sont abîmés, comprendre en fait d'où ils viennent de façon un peu matérielle. Alors, c'est peut-être juste une petite case hein, dans la collecte, mais c'est vrai qu'avoir les conditions, moi, je travaille là sur notamment des photos qui viennent de conserveries, qui étaient sans doute dans la conserverie, qui sont en assez mauvais état. Et c'est vrai que la documentation en fait du moment de la collecte, du point de vue de l'histoire matérielle des objets, elle serait vraiment utile dans le dossier général en fait. Alors c'est parfois ça a transité, hein, ça vient pas peut-être directement du lieu, mais c'est des petites choses que nous on essaye après coup de faire des hypothèses, mais c'est vrai que si on avait s'il y avait une petite documentation en fait de ça nous serait très utile pour comprendre en fait l'état dans lequel arrivent certaines choses. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Alors, je vais remettre le micro, c'est plus pratique. Alors, tout d'abord, passionné par le travail de nos deux amis du Croisic. Là, c'est un travail que j'ai eu l'occasion de voir au service historique de la Défense à Paris. Ils ont fait ça également. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui aurait dû être fait parce que on parlait tout à l'heure des anciens qui sont en limite, effectivement, de souvenance de leurs histoires. Et ça, c'est vraiment, je vous félicite, vraiment, c'est vraiment très émouvant et très, très sympathique. Et aussi, effectivement, l'importance de faire du retour aux gens qui nous ont donné des éléments. C'est ce qu'on fait aussi au musée chez nous, hein, c'est que systématiquement, on leur redonne effectivement soit un regard historique sur les documents qu'ils nous ont demandés, soit effectivement une corrélation avec tout ça. J'ai une autre question, elle est beaucoup plus technique et je pense que c'est plutôt pour le musée Roger Bénon. Comment avez-vous traité la position réglementaire de tout ce qui est armes dans le musée de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous avez attaché attention à ça? Nous, on a déjà eu le cas de gens qui nous donnent des choses et malheureusement, on ne peut pas les accepter parce que réglementairement, c'est complètement bancal. Pour l'instant, vu qu'on en est un peu au niveau du musée Roger Bellon, l'opération, on est encore un peu assez balbutiement. On n'a pas tous les éléments à ce niveau-là, on doit justement rencontrer la commune dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir, pour leur parler du plan d'action qu'a mis en place l'OPCI. Et ce sera une question qu'on va devoir leur poser, parce qu'en effet, eux, alors pour l'instant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une convention de dépôt des collections, qui a été fait de Roger Bellon en faveur de la commune et qui sera vraiment effective au moment du décès de Monsieur Bellon. Donc pour l'instant, la commune, elle est juste, elle en est propriétaire, mais sans avoir vraiment de, comment on peut dire ça, d'impact sur la collection réellement. Donc tous ces éléments, pour le moment, on les a pas. Et ce sera forcément une question, oui, qu'on sera amené à se poser, ouais. Puisqu'il y a plein, en effet, il y a plein d'armes, il y a, et je crois en plus que certaines seraient en état de fonctionner. Donc oui, derrière. Alors, sachant que la plupart des armes sont aussi derrière des vitrines qui sont complètement fermées. C'est des, on ne le voyait pas très bien sur les photos, mais c'est des vitrines qui sont toutes en verre et pour y accéder, c'est assez, assez difficile. Donc bon, c'est vrai que ce sera une question à gérer par la suite. Avant de laisser le soin à François de conclure, je peux vous remercier tous de votre participation. Merci à l'équipe du pôle d'avoir organisé, préparé tout cela avec des visios en amont avec les intervenants, que ce soit fluide. J'ai le sentiment que c'était très dense et qu'on continue à nourrir notre cycle avec des participants fidèles. Hein. Merci encore une fois, Michel, d'être présent. Gwenola aussi, nous avoir fait un coucou aujourd'hui. Et puis, on salue Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui est aussi dans une démarche de patrimonialisation intéressante et autour du patrimoine immatériel, notamment. Hein. François, si tu veux conclure.
Oui, ben moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas vu passer les 2 heures. Hein, voilà. Je remercie donc tous les intervenants, tous les gens qui ont participé à cette visio. Et ce que je remarque surtout, c'est la partie, on va dire, patrimoine au niveau de l'humain. Et ça, ça a été vraiment mis en évidence. C'est vraiment très sympathique et très, très valorisant pour notre patrimoine. Merci beaucoup et puis bonne journée à toutes et à tous.